Ok, soyez une fois encore bienvenus. Alors, on va continuer, d'accord, avec les expressions de la cause, d'accord? On vient de regarder pourquoi, pour poser une question, parce que, pour répondre à une question. N'oubliez pas, de la même façon, on va. Quelle est la valeur de parce que? La valeur est pour exprimer une cause inconnue de l'interlocuteur, d'accord? Une cause inconnue, una causa desconocida. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser à regarder les phrases, complète les phrases suivantes. Avec parce que et puisque, d'accord? On doit choisir à utiliser parce que ou puisque. Avant mais de commencer, quelques remarques, d'accord? Des remarques. Quelques petites remarques. Alors, parce que, n'oubliez pas, on va utiliser pour exprimer une cause inconnue, d'accord? Inconnue de l'interlocuteur. Une cause inconnue de l'interlocuteur. Et la chose la plus importante, parce que accepte l'élision et la oui l'élision dans ces cas-là, d'accord? Et ensuite puisque, ah d'accord, oui puisque. Puisque on va exprimer une chose, une cause, n'oubliez pas, c'est une cause connue ou évidente. Évidente, d'accord? Voilà. Alors, une petite remarque, une petite chose très importante. Les deux, d'accord? Les deux vont accepter la liaison. L'élision, pardon. Ils acceptent l'élision. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils acceptent l'élision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, oui, ça peut fonctionner comme parce que ou parce que apostrophe et puisque ou puisque. Que apostrophe. Exact. Ça veut dire qu'il accepte l'élision. L'élision, d'accord? Il accepte l'élision. Ils acceptent, pas acceptant, ils acceptent l'élision. Ellos aceptan l'élision. D'accord? Parce que apostrophe, puisque apostrophe. Voilà. Premier exemple. Premier exemple. Quelqu'un qui veut lire et continuer avec l'exercice numéro 2. Moi, Vas-y, Grace, très bien. puisque tu es fatigué, nous n'allons rien faire de spécial ce soir. Soir. Pourquoi n'es-tu pas chez toi? Parce que j'ai perdu mes Mes clés. clés. Exact. Chez toi, d'accord? Chez toi. Exact. Simple, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que. Pourquoi n'es-tu pas chez toi? Parce que j'ai perdu mes clés. Très bien. Pour poser la question, on va utiliser pourquoi pour répondre à la question parce que. De la même façon, on va exprimer une cause inconnue, n'est-ce pas? Donc, ça va, ça marche, très bien. Trois. À vous, à vous. Milinka, peut-être, sauf Marianne, Denise, Grace, Hélène.
Béatrice, Rosa. Personne. Oui. Hélène. A ver, no sé, pero no estoy muy seguro. No sé, Juan, Anvil. Parce que je dois acheter un cadeau pour Camille. Oui, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Et ça fonctionne, en effet. Mais de toute façon, ça fonctionne mieux, d'accord, puisque. Pourquoi? Parce que c'est une chose évidente, une Non. chose connue, d'accord, une cause connue par l'interlocuteur. Nous irons en ville, puisque je dois acheter un cadeau pour Camille, en effet. Pensé que había dicho pues que, perdón. Qué bárbaro. Ya. Puisque. Ok, puisque. Simplement, on va utiliser parce que pour répondre à la question pourquoi. Voilà, pour simplifier les choses. Ok? Ok, on continue. 4. 4, 4, 4. Moi, Vas-y, vas-y, Inès, merci. puisqu'il pleut, je ne veux pas partir à la mer avec mes copines. Et une fois encore, le début. Le début de la phrase. Puisqu'il Exact, puisqu'il pleut. puisqu'il Parce que c'est avec l'apostrophe, n'est-ce pas? Puisqu'il pleut, puisqu'il pleut. Comme tout d'un coup, puisqu'il pleut, je ne vais pas partir à la mer avec mes copines. Très bien. Magnifique. Et ensuite, ensuite. C'est une cause évidente, n'est-ce pas? Parce qu'il pleut, puisqu'il pleut. N'est-ce pas? Puisqu'il pleut, en effet. Très bien. 5, 5. 5, 5. À vous, Milenka, peut-être Rose. Moi, Vas-y, Béatrice. puisque tu es ici, pourrais-tu m'aider à déplacer ce meuble? Exactement, très bien. Puisque tu es ici, pourrais-tu m'aider à déplacer ces meubles? Très bien. Excelente. Ya que estás aquí, podrías ayudarme a mover este mueble. Une cause connue et surtout une cause évidente, n'est-ce pas? Une cause évidente. Puisque tu es ici, n'est-ce pas? Ya que estás aquí, podrías ayudarme, ¿no? Ça va. Très bien. Numéro 6. Numéro 6, numéro 6, 6, 7, 8, 9, 10, sauf Rosa, Milenka, peut-être Marianne. Moi? Vas-y, vas-y, Milenka, très bien, merci. Pourquoi est-il parti? Parce qu'il avait un compte de travail pour demain. Excellent, excellent, Milenka, tu as bien prononcé parce qu'il, en effet, parce qu'il avait encore Merci. du travail pour demain. En effet, parce qu'il avait encore du travail pour demain. Pour poser une question, on va utiliser pourquoi et pour répondre à la question, parce que ou parce qui, parce que, apostrophe, n'est-ce pas? Très bien. Excellent, Milenka. Ensuite. Sauf peut-être Rosa, Marianne. Oui. Vas-y, vas-y, Marianne. Puisque elle est partie, elle ne peut pas venir, elle avec nous au cinéma. Très bien, excellent Marianne, puisqu'elle, n'est-ce pas, puisqu'elle est partie, elle ne peut pas venir avec nous au cinéma. Une cause
évidente, une cause connue, n'est-ce pas? Puisqu'elle est partie, n'est-ce pas? Puisqu'elle est partie, elle ne peut pas venir avec nous au cinéma. Très bien. 8, 9, 10. À vous, à vous. Moi, mon frère parle très bien italien, puisqu'il l'a étudié à l'université. Magnifique, magnifique. Et sauf très bien au niveau de la prononciation, puisqu'il l'a étudié à l'université. Exact, très bien. Numéro 9, 10 pour finir. Avant de finir. Moi, Vas-y, Rosa, très bien. parce que c'est comme ça, je n'ai encore pas guéri et pas salaire garé, c'est ça? Soir, soir. Soit. Exact, parce que c'est comme ça, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça, je ne t'accompagnerai pas, accompagnerai pas, d'accord? Je ne t'accompagnerai pas à la gare ce soir. Oh, très bien. Numéro 10, finalement. Numéro 10. Une chose évidente, puisque, n'est-ce pas? Puisqu'il, il voudrait boire un verre d'eau puisqu'il a très soif. D'accord? Soif. Attention, soif. Soif. Il voudrait boire de l'eau, verre d'eau. Il voudrait boire un verre d'eau puisqu'il a très soif. Très bien. Et finalement, d'accord, ces dernières, il y a la... Est-ce que vous avez pu constater la différence entre parce que et puisque? Oui, n'est-ce pas? Pas de question? Oui. Ok, très bien. Finalement, on va finir la classe avec ces deux dernières activités très rapidement à l'oral, d'accord? À l'oral. À l'oral, à l'oral, à l'oral. Très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé un peu en retard. Donc, alors, dans un premier temps, la différence entre grâce à et à cause de, d'accord? À cause de, n'oubliez pas, à cause de, pour exprimer une cause négative, et grâce à, pour exprimer une cause positive, d'accord? Grâce à. Simple, d'accord? On doit tout simplement choisir mettre grâce à ou à cause de. Par exemple, grâce à sa volonté, mon frère a réussi à faire le régime, d'accord? Grâce à sa volonté, mon frère a réussi à faire son régime. Vous comprenez son régime? Exacto. Gracias a su voluntad, mi hermano ha conseguido, ha logrado hacer su dieta. Très bien. Número 2, simple. On doit tout simplement identifier, utiliser grâce à ou à cause de. À cause de ou grâce à. Simple. N'oubliez pas, à cause de, négative, grâce à, positive. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À vous, à vous, à vous. Julie a pu s'acheter une voiture à cause de l'argent. Ah, reste l'argent qu'elle a. En effet, Julie a pu s'acheter une voiture grâce à l'argent qu'elle a gagné. D'accord? Qu'elle a gagné. Qu'elle a gagné.
pas qu'elle a gagné, qu'elle a gagné. Le passé composé, n'est-ce pas? Julie a pu s'acheter une voiture grâce à l'argent qu'elle a gagné. Une cause positive, n'est-ce pas? On continue, on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, sauf d'être Hélène. Hélène, Moi, vas-y, vas-y. mes parents ont passé quelques jours à l'hôpital à cause d'un accident de voiture. Très bien, à cause d'un accident. À cause, en effet, d'un. Très bien, tu l'as bien D'un prononcé. accident de voiture. Très, très bien, c'est ça. À cause d'un accident de voiture. À cause d'un accident. Très bien, une chose négative, n'est-ce pas? Malheureusement. On continue. Moi, Vas-y, vas-y, merci. il a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes grâce à son talent. D'accord. Au niveau de la prononciation, attention, on va prononcer et on va prononcer et il a remporté, d'accord, il a remporté la palme, d'accord, palme d'or, la palme d'or La Palme d'Or au festival de Cannes. au Festival de Cannes. Exact. Et grâce à son talent. Talon. Exact, c'est ça, como el talón para nosotros. Talón, son talón, a su talento, ¿d'accord? En effet, très bien, grâce a son talón. Exact, au Festival de Moi? Cannes. Vas-y, vas-y, 5, 5, merci. L'équipe de France a remporté la Coupe du Monde grâce à son entraîneur. Magnifique. Numéro 6, très bien. À son entraîneur, c'est ça. Très bien. L'équipe de France, très bien. Denise, Moi, vas-y, vas-y. nous n'avons pas pu sortir de chez nous à cause de la tempête de neige. Exactement. À cause de la tempête, d'accord? Exact. Tempête de neige. Très bien. À cause d'une chose négative, n'est-ce pas? Très bien. 7-8, finalement. Pour finir, pour finir. Ma soeur a réussi à trouver un travail se rehusó a hacer un trabajo. ¿Causa? Sí, es así, ¿no ves la traducción? No. No, ¿O cómo es? ¿O es son dynamis? Sí. ¿Grâce a o a cause de? Casa. Très bien, Ay, no sé très si está bien. bien. Atención, atención. No es ser reuso. Mi hermana ha logrado, ma sœur a réussi a trouver un travail, ha logrado, ha conseguido encontrar un trabajo gracias a su dinamismo. ¿D'accord? Ha conseguido, ha logrado. ¿D'accord? Ça vient de dire réussir. Réussir. ¿D'accord? Le jour de l'examen, attention, si on parle de l'examen, alors, parmi entre vous, je pense la plupart entre vous va réussir l'examen, mais il y a une autre partie qui va échouer l'examen. D'accord? Réussir l'examen, échouer l'examen. Approuver un examen, réprouver un examen. D'accord? C'est le même sens, le même sentido tiene. Ma sœur a réussi un travail, a conseguido, o sea, lo ha logrado encontrar un trabajo.
gracias a su dinamismo, no olvide para, reducir en el contexto de exámenes, aprobar, échouer, reprobar. Número 8, 8, 8, por finir. 8. Moi, Vas-y, Grace, très bien. mon cousin a été renvoyé du lycée à cause de ses nombreuses absences. Exact. Très bien. Et mon cousin, cousin. Mon cousin. Exact. Toujours IN au début, au milieu et à la fin. IN al inicio, al medio o al final va a ser para nosotros AN. Siempre. Eso es invariable. IN siempre va a ser AN para nosotros. Por ejemplo, enterré, interdit. Imposteur. Et à la fin, matin, cousin, etc. D'accord? Nombreuses absences, en effet. Très bien. Et c'est ça. Pas de questions jusqu'à là? Avant de finir, et on va compléter les à l'oral, d'accord? Cette fois-ci à l'oral. La consigne est simple, d'accord? La consigne est simple. On va souligner quelle est l'expression de la cause qui mieux s'adapte à la phrase? Par exemple, à l'oral, d'accord? À l'oral. Comme il pleut, mes amis ne veulent, d'accord? Ne veulent pas sortir de chez eux. D'accord? Ici, on va faire la liaison. Comme il pleut, mes amis ne veulent pas sortir de chez eux. Donc, ils viennent salir de su casa de ellos, ¿no? Voilà. Simple et simple, d'accord? La consigne est simple. On doit tout simplement choisir entre deux, parce que ou vu que, étant donné que ou sous prétexte que, et parce que, apostrophe, ou comme, et grâce à ou à cause de, et à cause de ou sous prétexte que, d'accord? Toujours, il y a deux introducteurs à choisir, comme à, vu que, etc. Donc, à vous. À l'oral, très rapidement. À l'oral. Vu que tu n'es pas fini ton travail, tu ne peux pas regarder la télévision. Magnifique, c'est ça, vu que c'est ça. Très bien. Trois, trois, trois. Étant donné que son ordinateur a plus d'un an, la garantie n'est plus valable. Magnifique, c'est ça, Béatrice. Étant donné que son ordinateur a plus d'un an, la garantie n'est plus valable. Très bien. Ensuite, ensuite. Quatre, quatre. Cette dernière minute. Parce que il ne téléphone pas sa sœur parce que il a peur de la dernière déranger. Dérangé, en effet, très bien, parce que il ne téléphone pas à sa sœur parce qu'il a peur de la déranger. No llama a su hermana porque tiene miedo de interrumpirla o de molestarla. D'accord? Il a peur de la déranger, molestarla. Très bien, excellent. Jusqu'à là, 5, 6, 7, 8, pour finir, pour finir, pour finir. Pour finir, Moi, vas-y, vas-y. nous ne pouvons pas aller travailler à cause de la grève des transports en commun. Exactement, c'est ça. Nous ne Ouais. pouvons pas aller travailler et à cause de la grève des transports en commun. Qu'est-ce que ça veut dire, la grève des transports en commun? Transports en commun. La huelga de transport public. Très bien. 6, 7, 8. Pour finir, pour finir.
6, 7, 8. 6, 7, 8. Pour finir. Sous prétexte qu'il y a un peu de neige, il ne veut pas aller à l'école. Magnifique. Excellent, Béatrice. Parce que c'est une chose qu'on ne le croit pas, n'est-ce pas? Sous prétexte qu'il y a un peu de neige, il ne veut pas aller à l'école. Bajo el pretexto que hay un poco de nieve, no quiere ir a la escuela. Ça fonctionne. 7-8 pour finir. Pour finir, pour finir. Comme je suis malade, je dois me reposer et rire au chaud. Très bien. Comme je suis malade, je dois me reposer et rester au chaud. Et finalement, et grâce à, n'est-ce pas, grâce à son talent, une fois encore talent, grâce à son talent, il a remporté le premier prix de ce concours. Pas concours, concours. D'accord? Voilà, c'est ça. On a déjà fini. Merci. Et l'expression de la cause, n'oubliez pas. D'accord? Il y a pour chaque, comme vous avez pu constater, pour chaque phrase, il y a un introducteur, des causes qui mieux s'adaptent à chaque phrase. Donc, il faut toujours prendre en compte sa valeur. D'accord? Il faut toujours prendre en compte sa valeur. Voilà, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine, lundi. Oui, on a fait lundi à 21h. N'oubliez pas de regarder toutes les séances qui sont toutes enregistrées. Je viens de partager le lien avec le document où vous pouvez réviser les choses. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. À lundi. Merci. 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 Bonne Merci. nuit. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Merci, merci. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Merci à vous.